Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les blondes, hi everyone, hi everybody. Je souhaitais dire aussi salam alaikum ou bien shalom, peu importe. Je vous dis à toutes et à tous, bonjour, dans la paix la plus absolue, à tout le blonde. Donc j'espère que tout le monde va bien. Désolée pour mon accent, je ne sais pas parler je sais pas comment ça se dit, enfin en yiddish ou en arabe, je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas salam. Et puis l'autre c'était shalom, je pense, je ne sais pas, mais en tout cas bonjour à tout le blonde. Et ça c'était important pour moi de le dire, bonjour à tout le blonde, pas plus pas moins, on est tous des frérots comme disent les Marseillais. Donc ne nous laissons pas emporter par cette folie des hommes qui cherche à nous séparer. La paix, toujours la paix, encore la paix. Ce sera toujours mon message. Bien, messieurs, dames, aujourd'hui, on va aller un petit peu creuser avec ce jeu que j'aime beaucoup sur les mondes invisibles. Donc, je vous avais parlé. On va aller faire un petit tour du côté des mondes invisibles et voir ce que ça nous dit, hein, comme on a pu le faire avec les galactiques. Qui, merci les gars, bosse pour nous. Eh bien, allons voir ce que ça nous dit au niveau des mondes invisibles. Mais avant, comme d'habitude, hein, que de commencer, j'espère que tout le monde va très très bien. Merci à vous. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre soutien, votre gentillesse. C'est plaisant. Merci aux nouveaux abonnés, quoique YouTube bloque bien tous mes abonnements. Merci à toi, YouTube aussi. Peu importe. Hein, aujourd'hui, j'ai pas suffisamment d'énergie pour me mettre en colère. Donc, quoi qu'il en soit, merci à vous. Ça, je souhaitais vous le dire. Je souhaitais vous faire cette énorme dédicace parce qu'elle est importante. Et quand il faut dire merci, il faut dire merci. Bien, allez, c'est parti. Je vais commencer avec les petites cartes qui font du bien par où ça passe. Alors, je vais prendre pour une fois, vous allez voir. On va changer. On va prendre... Oh, ben on ne voit pas. Comme d'habitude, hein, quand je change, voilà. On a le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Et pourquoi pas... Attendez, je cherche son jeu. C'est fun, ça. Ben on va se faire du Jenna Blossom avec les petites cartes pour commencer. Qui font du bien, les petites cartes qui font du bien, qui nous donnent des conseils. Et puis, cette petite jeune, elle est toute sympa, hein, Jenna Blossom. Vous pouvez, elle a une chaîne hein, YouTube, hein, vous pouvez aller voir. Elle est toute douce. Et ben, à ce titre, on va prendre son petit oracle et son jeu. L'oracle de... Excusez-moi, je passe mon bras, messieurs, dames. Donc, toutes mes confuses, hein, comme d'habitude. Et voilà, on va prendre les deux petits oracles de Jenna Blossom. Pour nous donner un petit coup de boost qui fait du bien dès le départ. Alors, dans cette mission de vie, ça dit quoi? En plus, ils sont beaux, ils sont comme elle, avec ces petites couleurs toutes douces et tout. Elle est très mimi. Toute douce. J'aime bien les gens tout doux. C'est pas tout à fait mon cas, mais je sais l'être en professionnel. Allez, c'est parti. Alors, la petite carte de Jenna Blossom. Et voilà. Ça va nous dire quoi? Enseignement spirituel. Ah ben ça, c'est cool. Vous voyez, pour le coup, je suis désolée si vous ne voyez pas. Je vais vous la lire. Et ici, en dos de deck, une idée demande à se concrétiser. Donc, vous voyez vraiment que ici, vous voyez, hop, enseignement spirituel. Donc... Et je vais prendre trois cartes. Là, je l'avais fait pour l'oracle de Jésus. Mon enquête sur Yeshua, Jésus de Nazareth. Donc, elle est ici. Et je vais prendre trois cartes de cet oracle à haute vibration. Oui, j'en ai deux. Et trois. Donc... On nous demande hein, d'être au service également en dos de deck, hein, soit au service. Ici, ça nous dit, il est fun d'être dans un environnement rayonnant, avec se donner
et se recevoir, donner, recevoir, d'être au service, hein, quelque peu, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un enseignement spirituel, et surtout apportons beaucoup, beaucoup d'émotions positives, hein, ça tombe bien de toute façon. Donc, restons dans quelque chose de rayonnant, de positif, donner, recevoir, il y a toujours un équilibre, pas uniquement donner, il faut également savoir accepter, savoir recevoir, hein, c'est un équilibre, c'est normal. Donc cet enseignement spirituel nous dit, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Ok, donc on est chacun et chacune là-dedans. Tu participes à faire grandir les consciences. Ah bah, alors moi je le prends pour moi, hein, mais je pense que tout le monde peut le prendre pour soi. Et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Bon, bah c'est cool ça, hein. Cette carte elle est plutôt magique, hein. Je ne voudrais pas dire, mais elle est juste fun, parce que je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement afin d'accéder, hein, à cet enseignement spirituel, et puis de s'en servir, de pouvoir le distribuer, et tout simplement d'être au service, enfin, vous voyez. Mais n'empêche qu'on nous demande d'être dans cette lumière, dans cet environnement positif, de donner, mais également de recevoir, tout en restant au service. L'un n'empêche pas l'autre. Bien, ben ça je le ferai plus souvent, c'est tout mimi, c'est tout doux, c'est comme elle, c'est positif, en tout cas. On n'est pas dans des trucs lourdingues, hein, qui sont chiants et qui fatiguent. Hein. Donc, où est son petit oracle, la petite mère? Voilà, elle est là. Bien, bien, bien. Allez, c'est parti. Je les pose ici, du coup, parce que je m'en resservirai. Allons voir, mesdames et messieurs. Je pense que je prendrai aussi celui-là. Hein. Pardon, j'ai mis de la lumière. Donc, eh bien, écoutez, messieurs, dames, c'est l'oracle des êtres stellaires. Désolée pour la lumière, encore une fois. Hein. Moi, entre le son et la lumière, je n'en puis plus. Hein. C'est... Qu'est-ce que nous disent... Je pense pas, hein, que la vidéo sera longue, je ne crois pas, ce qui n'est pas grave en soi. Que nous disent heute Abend, presque pour moi. Ah, j'étais sûre. J'ai été sûre, cette carte, je l'avais vue avant de commencer. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Hop, on nous parle. Après l'éveil spirituel, nous avons l'éveil maternel. Tout ça, ça parle de la même chose, hein. Commune, ok. C'est-à-dire, ça nous... 33. Noch einmal, 3. 33, 3. Ça nous parle de rassemblement, de communauté, d'affinité, d'amitié. Là, on est sur des rassemblements d'âmes, hein. Retour de famille d'âmes. Et puis, on nous appelle aussi à la compassion, l'éducation, guider, hein, dans les mondes subtils, ça aide bien. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Hein. Il y a des rassemblements, ça nous appelle aussi à nous rassembler, à être dans cette compassion. Alors là, pour le coup, ça suit vraiment le jeu, les cartes de Jenna Blossom, parce que on est encore là-dedans. Hein. Le gardien des dauphins, ça nous appelle à l'amitié, l'amitié pure, l'amitié joyeuse, l'aide, l'affection. Donc, dans les mondes subtils, ça nous dit ça. Hein. Dans les mondes invisibles, ça travaille à ça, en fait. Dans les mondes invisibles, puisque c'est l'oracle, hein, des mondes invisibles, ça travaille là-dessus. Ça travaille pour cet éveil bah, à l'amour, hein, à l'amour maternel, à l'amour tout court, ce rassemblement, ces amitiés. Donc, nous ne sommes pas seuls. Hein. Et ça bosse fort. Hein. Ça bosse fort. Là, alors ça, c'est la prêtresse de la lumière. C'est marrant, vous allez voir, je vais vous le lire. La prêtresse de la lumière, c'est la sagesse galactique. Et les rituels cosmiques. Donc, que ce soit dans les mondes subtils, invisibles, tout comme avec nos galactiques, tout le monde se rejoint, tout le monde s'entend. Et tout le monde travaille à la même évolution. Tout le monde travaille en vue d'obtenir, enfin, le même résultat, au même dessein, c'est-à-dire à ses amitiés,
ces rassemblements. Parce que amitié, ici on a quand même la sagesse des galactiques aussi. Donc ça bosse fort hein, là-haut. Comme je disais précédemment dans l'autre vidéo, hein, ça bosse sur Terre, dans le ciel et à l'intérieur de la Terre. Donc, waouh! Dans les mondes subtils, hein, invisibles, il y a encore ici, on nous parle de la porte des anges. La porte des anges, c'est quand même la purification, la protection, la bénédiction. La femme a un rôle très très important aujourd'hui, hein. On a l'éveil de la mère, l'éveil maternel, l'éveil de la terre, Gaïa. Et oui, pour ouvrir beaucoup de portes ici, des portes. Les anges même s'y mettent. Après les galactiques, nous avons les anges, nous avons Gaïa, nous avons toute cette communauté, tout se réunit, et même la mer, les dauphins ici, le gardien des dauphins, les océans. Donc, autant vous dire, ça le fait. Nous ne sommes pas seuls. Tout le monde, à son niveau, travaille. Et en plus, travaille, hein, les galactiques, les anges, d'autres communautés. Gaïa, cette ouverture, l'éveil maternel, pour moi, ici, je vois la compassion, c'est Gaïa, même elle-même, notre terre-mère nous aide. Les océans également, les animaux donc, hein, les gardiens des dauphins, les guides, nous ne sommes pas seuls. C'est ça que ça nous dit. Et regardez, l'offrande, le présent, l'offrande, c'est le cadeau. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est cadeau, hein. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est cadeau. Cadeau, cadeau. Par contre, si vous regardez les cartes, peut-être hormis celle-ci, vous avez à chaque fois un puits de lumière. Là, on a ces lumières qui sont là. Ici, là encore, là, voyez, et puis là, là, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de... Alors, encore plus là, hein, mais vous voyez toutes ces lumières, tous ces puits de lumière. Nous ne sommes pas seuls. Et en plus, il y a l'oracle, hein, c'est quelque chose, là, l'oracle. Vous le savez, hein, c'est cette vie sacrée, c'est la communication avec les esprits, c'est même l'intervention divine. Encore une fois. Encore une fois, tout le monde bosse dans les mondes invisibles, les mondes subtils, et pas qu'un peu, et pas qu'un peu, pour nous accompagner à ça, quoi, à cette grandeur, hein, c'est vraiment ça. Il y a tout le monde, hein. Ici on a les galactiques, on a les anges, on a Gaïa, on a toutes ces communautés, les animaux, on a tout, on a tout. Écoutez, avec de si jolies cartes, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, je vais prendre Line Star. Ça nous dit quoi? Encore et encore. Et je vais mettre une carte à chaque fois dessus et je vais lire les deux. On va voir ce que ça nous dit. Donc, dans ce rassemblement, dans ces affinités, ces communautés. En fait, même de manière inconsciente, on travaille tous ensemble, oui. C'est-à-dire que même nous, le travail, hein, de cette lumière, hein, le travail, tout communique. Voilà. On communique tous ensemble, tous. Nous ne sommes qu'un, quelque part, face à l'obscurité. Nous ne faisons qu'un, tous là. Et les animaux, hein, sont là, nous aident aussi, hein. Ok, ouh là là, les portes, les relations karmiques, les portes s'ouvrent, hein, les communications, tout. Oui, il est temps, hein, regardez la croissance de l'âme, hein, l'énergie d'Orion, hein, il est temps, il est temps. Vous voyez, ici, on a la porte des anges qui est là, qui sont là, qui nous protègent. Heureusement, hein, parce que là, on a quand même les polarités, hein, il y a des conflits, hein. Ah bah oui, hein, là il y a les conflits, hein. Là ça explose, hein. Là ça explose de partout. Croyez-moi bien qu'ils ne vont pas lâcher le morceau, hein. Croyez-moi bien, ils ne vont pas le lâcher, il n'y a pas de raison, hein. Les deux, je les prends, je vais les lire. Il n'y a aucune raison qu'ils lâchent, au contraire. Ils mettent le paquet là. En dos de deck, j'avais l'oracle, et ici on a le messager, comme tout à l'heure. On a du beau quand même, hein, sur ce coup-là, hein. Parce qu'ici, c'est la carte de tout à l'heure en dos de deck qui était
la communication avec les esprits, les interventions divines. On a le sacré ici, là aussi. Hein. On a le messager, l'harmonie, l'équilibre. Il bosse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bosse fort. Tout comme nous. Là, on est dans « Nous sommes amour ». Vous avez vu la même carte que tout à l'heure, enfin, que tout à l'heure pour moi, mais que précédemment pour vous. « Nous sommes amour ». La codépendance, les limites. Vous voyez hein, que là, même si nous sommes amour, à un moment donné, les prises de tête, ça commence à bien faire, quoi. On nous appelle à nous réunir ici, parce que regardez cette photo là, ouf, ça fait mal à la tête, mais nous sommes codépendants. Nous sommes codépendants, mais nous avons aussi chacun nos propres limites. Donc, c'est vrai qu'on nous appelle au rassemblement. On nous appelle au rassemblement, de créer des communautés, d'être... Nous sommes amour. Et même s'il y a une scission, s'il y a une... Comment dire une scission, un petit peu comme la Terre, hein, qui se passe en Islande, hein, ça s'ouvre et puis ça se sépare et chacun reste sur sa rive. N'empêche qu'on nous appelle à nous rassembler parce que nous sommes amour. C'est ça qu'ils veulent, qu'on comprenne, enfin, une bonne fois pour toutes, à tort, regardez, regardez cette carte ici, regardez ce visage, et puis regardez à côté, on n'est absolument pas dans le même jeu, hein. Vous avez vu, c'est pas un truc de fou ces cartes, est-ce que c'est pas un truc de fou, l'éveil maternel, et là on nous parle de lait maternel, de porte de la vie, je vous promets que c'est la vérité, attendez, je vous le mets, je veux juste que vous puissiez voir lait maternel. Vous vous rendez compte? Ici, on est face à l'éveil maternel. C'est la compassion, les guidances, c'est l'éducation. L'éducation. Nous sommes donc en train d'étudier, d'apprendre. On est bien d'accord. Tout ce qui arrive, c'est pour qu'on comprenne, qu'on apprenne, qu'on grandisse. Mais ici, on a les deux mêmes cartes, avec un jeu différent. Si ça, c'est pas de la communication, moi, je m'y connais pas. Hein. Entre elles, les cartes, je parle. Et pour nous, évidemment. On nous parle de lait maternel, d'amour profond, de porte de la vie. Voilà, c'est clair, hein. On doit tout ouvrir, hein. On doit vraiment... Et la mère, le côté yin, a un côté très, très, très important aujourd'hui. Une place prépondérante. L'amour. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas en mesure d'aimer, hein, pas du tout. Mais en tout cas, cet aspect yin est présent. Les portes de la vie. Les portes de la vie. Qui portent les enfants également. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ben. Ça bosse fort hein, dans les mondes subtils et invisibles. On l'avait tout à l'heure aussi, celle-ci. Hein. Vous m'avez vu, hein, je ne les regarde pas hein, quand j'ai choisi. Hein. Tout à l'heure, donc hier ou avant-hier pour vous, la douceur de vivre avec ces animaux qui sont les dauphins, les gardiens. Et là, on a une carte avec de l'eau. Vous voyez bien, là. Et ben voilà. Ben voilà, je sors les mêmes cartes, mais avec des jeux différents. On nous dit les plaisirs, la joie, faites l'amour à la vie. Hein, là, en plus, il y a les potes, il y a les amis, la joie. Oh bah écoutez, là, je n'ai plus de mots. Ici, je vous lis les mots. Hein. Amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Et là, on nous parle de plaisir, de joie. Faites l'amour à la vie. Voilà, je prends un autre jeu et finalement, je pourrais prendre 15 jeux. Ça serait la même chose. Ça serait la même chose. Je sors les mêmes cartes, je sors des cartes équivalentes. Avec deux jeux différents. Et ici, le poids du monde. Ah ben c'est lourd, hein. Et avec de l'eau encore. Bon, attention à la flotte quand même. Hein. C'est pas fini ces histoires de flotte hein, quand même. Hein. Je pense que là, dans les mondes subtils, ils nous disent attention, mais il va y avoir de la flotte encore. Hein. En tout cas, on nous dit, il faut pas tout porter. Il faut lâcher prise de temps en temps pour pouvoir s'accorder hein, ben, ce bonheur d'être ensemble, ce bonheur de partager, d'apprécier. D'apprécier, c'était un mot qui était sorti précédemment. Donc vraiment, vraiment, on n'est pas obligé de porter tout le poids du monde. Pas du tout, pas du tout. Justement, on nous dit non, non, non. Soyez bien entre potes, aimez-vous, rassemblez-vous. Hein. Soyez des moments affectifs, faites des mamours, voilà. Bien ici, la lumière, et là, on a la porte. C'est juste magique, ce tirage. Hein. Alors, peut-être que ça intéressera moins de personnes, parce qu'on ne parle pas d'actu, et malgré tout, de parler d'actu, ça vient nourrir un égrégore, pas nécessairement le plus sympathique. Hein. Mais n'empêche qu'alors là, entre
La prêtresse de la lumière avec cette sagesse galactique. Rappelez-vous, hein, le jeu des galactiques, j'ai sorti ça aussi. Hein. Quasiment, hormis cette carte, tout est sorti avec les galactiques. Ce sont les mêmes cartes. Je peux refaire 10 tirages, ce sera la même chose. Donc, on a les rituels cosmiques, la sagesse galactique qui est là. Et on a aussi les portes qui s'ouvrent, les récompenses, la chance. Là aussi, on a des portes. Hein. On a de la lumière, on a de la lumière. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, ben, c'est pour qu'on retrouve hein, notre connexion divine. Et notre connexion divine, c'est l'amour. Ça paraît peut-être un petit peu bisounours, gnangnang, mais n'empêche, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Et tout ça, ce sont des relations karmiques. Ici, on a la porte. La porte des anges. Vous voyez, avec cette purification. Ici, on nous dit, allez-y, soyez tenace. Il y a la récompense. Tout ce que nous vivons est une chance. Aussi difficile que ce soit. Il y a the recompense. Et tout ce que nous vivons, c'est karmique. Et alors là, pour finir, nous avons le présent, l'offrande, les cadeaux, offrir tout ce qui est cadeau. Et le premier pas. J'ai les mêmes cartes que le dernier tirage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, messieurs, dames? C'est magnifique, hein, j'adore. C'est beau comme tout. C'est beau comme tout. Encore une fois, suivez votre intuition. La force de l'intention. La force de l'intention. Ne pas hésiter à offrir, à donner, à remercier. Mais la force de l'intention va vraiment, vraiment nous ouvrir, à ouvrir ses portes. Et donc, messieurs, dames, j'ai envie de finir maintenant, parce que vous voyez, hein, c'est les mêmes cartes avec un jeu différent, donc inutile, je vous l'avais dit au départ, si vous m'avez écouté, que ce serait court. Ben voilà, je savais que ce serait court. Donc, parce qu'on n'arrête pas de dire la même chose. Je vais finir, encore une fois, avec l'oracle 1, mesdames et messieurs, celui que j'aime beaucoup, 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 vous le savez. On est parti. Et on y va. Alors, désolé si vous trouvez que j'ai un petit peu moins d'énergie, c'est le cas. Et je bin mood. Je bin mood, ça veut dire que je suis fatiguée, un petit peu, mais ça n'empêche pas d'être là, attention. Hein. C'est... Bah vous voyez le temps qu'il fait, j'ai une pathologie qui fait que quand il fait pas beau, bah, ça donne des petites poussées inflammatoires, ce qui est mon cas. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis là, sinon je n'y serais pas. J'apprends ça, hein, quand ça ne va pas, ça va pas. Je ne fais pas les cartes quand ça ne va pas. J'apprends à le faire. À penser à moi et à vous par la même occasion, et que ce ne soit ni pénible pour vous ou pour moi. Voilà! Et voilà, donner, recevoir. Oh, vision à rayon X. Hey, hey. Petit bobo. Ça nous dit de regarder plus loin. Plus loin que par rapport à tous ces petits bobos. Faut regarder plus loin. Rayon X aussi. Le soleil, il y a toutes ces choses-là, vous voyez. Alors, je ne sais pas hein, le soleil, si c'est rayon X, rayon gamma, rayon tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut creuser. Ah, regarder plus loin. Plus haut, mais plus haut que tous les soleils. J'aimais trop cette chanson à l'époque. Plus haut, mais plus haut. Ah bah vous n'aviez pas eu le moment gênant. Il le fallait quand même aujourd'hui. Que tous les soleils qui manquent à tes rêves. Enfin, je crois que c'était un truc comme ça. Ah ouais, pour que la flamme dans tes yeux puisse enfin s'allumer. Ah, c'était un truc comme ça, je sais plus, hein, mais oh, ça fait longtemps, hein, parce que mes enfants étaient petits, mon fils était petit. Voilà. Et eux comme Emmanuel, comme un soleil. Ah, celle-ci, je devais la faire. Je me devais de la faire, celle-ci. Emmanuel, toujours plus frêle. Je sais que c'est belle, hein, mais là, Emmanuel, au fond des yeux, il y a Jean-Michel. Oh, excusez-moi, je devais la faire celle-ci. Emmanuel, au fond des yeux, il y a Jean-Michel. Bon, j'arrête. Regardez en dos de deck, nous avons l'amour. Je vous le disais, ça paraît bisounours, mais n'empêche que même avec ces cartes-là, je repars dans le même tirage. Ah, l'amour. Mais,
voyez que même fatigué, les conneries, ça vient quand même. Hein. Il y a assez d'énergie pour ça. Ah, normal. Encore une fois. Tout à l'heure, on avait le rayon X, maintenant, nous avons le rayon laser. Donc, bah, écoutez. Hein. On parle des mondes invisibles. Là, il y a un rayon laser. Pouf, Goldorak. Go. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des rayons solaires. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a aussi des aurores boréales. Et toc, toc, toc. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des portes partout. Et là, on nous dit, ça frappe, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient. Et tout est fait pour que ça vienne, que ça réveille chez nous l'amour. C'est tout. Mais un amour tout nouveau ici. Parce qu'ici, j'ai tout beau, tout neuf. Hein. Voilà. Des contretemps, certes, mais tout beau, tout neuf, avec un nouvel amour. Donc, c'est là pour... Ça tape à la porte et sortons notre GPS, faisons preuve d'intuition. On nous demande de savoir quelle porte, sur quelle porte on veut faire toc-toc. Hein. Il va falloir être intuitif, comprendre, s'orienter. Mais s'orienter vers quoi? L'amour. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est pour nous ramener à l'amour et taper le toc-toc-toc. Eh oui, c'est l'amour, amour, amour, amour. Bon, j'arrête. Bon, voilà, écoutez, messieurs, dames, ça me fait rire parce que, bah, écoutez, sincèrement, je viens de passer quasiment 30 minutes avec trois jeux différents en sortant quasiment les mêmes cartes. Donc, si le message n'est pas clair, je ne comprends nothing, 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 nothing. Donc, une chose est certaine, même dans les mondes invisibles, les portes s'ouvrent. On nous appelle à nous aimer. Et puis, cet aspect yin, la maman, Gaïa, tout est là. Tout est là pour nous reconnecter à nous-mêmes et nous reconnecter à l'amour. Donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui au travers de ce beau tirage, qui était bien beau, que j'ai bien aimé, et à la fin qui m'a fait bien marrer. Eh bien, j'espère qu'il vous a plu. Même s'il est court, il a cette vertu d'être direct, cash et je peux pas dire autre chose, hein, ressortir d'autres jeux, c'est la même chose. Donc, aimons-nous, soyons heureux. Mais j'entends les poules maintenant, il est 17h13 et ça caquette et ça caquette et ça caquette. Hein. Mais bizarre que ça se couche pas pour l'instant. Bon, elles sont en train de s'engueuler. Oh, il y en a peut-être une qui a pendu du coup. Hein. Bon, écoutez, je vous raconte ma vie comme d'habitude, peu importe. Mais en tout cas, comme d'habitude, l'amour. Donc, à toutes et à tous, à tout le blonde, je vais encore vous redire la même chose. Soyez heureux, aimez-vous, partagez, faites des gâteaux, réunissez-vous bientôt les fêtes. Et puis, laissez cet amour rentrer, quoi. Laissez-le venir et profitez surtout. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite le meilleur. À très vite. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'était Nina. À bientôt.